Bon, nous espérions avoir une majorité absolue pour pouvoir engager le projet de redressement que nous avions porté pendant la campagne. Le Rassemblement national est aujourd'hui la première force politique du pays en nombre de voix. Nous sommes arrivés très largement en tête. Mais il est clair que les accords électoraux et que les arrangements qui ont été passés entre messieurs Mélenchon et Macron nous ont empêchés d'obtenir cette majorité, nous ont disqualifiés dans un certain nombre de circonscriptions. Donc on commet toujours des erreurs, j'en ai commis, nous en avons commis, et je prends ma part aussi, ma part de responsabilité dans ce résultat. J'ai été le chef de file du Rassemblement national, à la fois aux européennes, mais aussi dans cette campagne. Et donc, j'assume ma part de responsabilité, tant dans la victoire aux élections européennes que dans la défaite d'hier. Mais...